Alors la résidence est un processus participatif où on explore la question des Fab Labs, c'est-à-dire comment est-ce que les Fab Labs peuvent contribuer à la vitalité socio-économique de nos milieux. Bah, la grande particularité, c'est qu'on n'a pas de lieu. Le mandat actuellement, il se limite à Laval, Montréal et Longueuil. Donc on se déplace dans ces trois villes-là, on cherche des endroits où on peut avoir des activités pour que la population, vraiment le grand public, viennent apprendre sur les Fab Labs et designer avec nous un scénario pour qu'au Québec, puis spécifiquement à Laval, Montréal et Longueuil, on puisse utiliser ce modèle-là comme un moyen de dynamiser nos communautés. Pour moi, les Fab Labs, c'est la nouveauté, l'innovation, puis la culture ouverte, un lieu d'échange de connaissances par les pairs, puis un lieu de collaboration par excellence. Puis, donc, je m'intéresse à toutes ces nouvelles pratiques et ces nouveaux modèles de développement économique et social. Et à quoi ils rêvent? Qu'est-ce qu'ils pourraient faire, eux, avec leurs connaissances et leurs idées dans un espace ouvert aux citoyens? Les différents accessoires du fait que. Donc ça prend des chaises, ça prend éventuellement des tables, un petit éclairage. Donc c'est de travailler collectivement à la création de ce fait que. Intéressant d'avoir l'opinion des gens sur des Fab Labs alors qu'ils venaient tout juste de découvrir ça souvent. Donc c'était frais dans leur tête, ils aimaient explorer des concepts, jouer avec ça. On a même eu des débats, ce qui était quand même assez surprenant, je dirais pour une première semaine. On est dans le moment présent en train de vivre ce qu'on voulait stimuler avec cette démarche de co-design-là. D'interactivité entre les gens, d'interactivité avec l'univers des Fab Labs. On disait les trois villes rêvent ensemble. C'est Montréal, Laval, Longueuil, rêvent ensemble. Ça, c'est quand même pas pire. La résidence se divise en trois semaines. Une semaine par mois, donc c'est un total de 3 mois. Et la première semaine vise à rêver, à explorer les possibles aussi. Donc c'est une semaine d'idéation. La deuxième semaine, c'est une semaine de prototypage. Donc avec les réponses qu'on a obtenues pendant la première semaine, on crée et on construit des activités dans des lieux spécifiques qui vont nous permettre de matérialiser, de mettre dans la matière et dans du concret ce que les gens ont exprimé à la première semaine. Puis finalement, cette notion de redécouvrir le plaisir, ça va être clé. Comment est-ce qu'on va le faire? On va voir pendant la deuxième semaine.